prise 1, prise 2. Action! Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être le making of de la série Adela, une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous présenter. Avant de commencer, j'aimerais remercier tout le monde qui a regardé la série, qui l'a partagé et qui l'a soutenu depuis son tout début. Aujourd'hui, dans le making of de la série, vous allez voir sous la forme d'un vlog tout le processus de la création de la série Adela. Donc, sans plus attendre, on fait un retour dans le temps à mars 2018 avec la préparation, l'écriture et les premières lectures avec les acteurs. Donc, allons-y! On est en train de faire des panneaux de lumière. On s'en va en entrevue pour Adela. Oui! Test! Aujourd'hui, nous faisons un test de son avec Alexandre Girard, premier de son ici présent. Qu'est-ce qu'on fait, les filles? On fait des auditions pour Adela! Non, non, mais sérieux, l'histoire de la nouvelle, c'est vraiment vrai. Ma petite fille, j'ai moi! J'ai ma petite fille qui m'attache! Bonjour, je m'appelle Élise et je joue Aurélie. Je m'appelle Justin et je joue Émile. Je m'appelle Léa et je joue Sarah M. Salut! C'est le 9 juin maintenant. C'était la journée de notre première lecture aujourd'hui. Tous les acteurs sont venus chez Marie-Lou. On a tous lu les textes pour c'était une première fois. C'était vraiment fun. Ça s'est bien passé. Hier soir, on a fini les scripts juste à temps pour la première lecture. Qu'est-ce qu'on a prévu pour Adela maintenant? C'est la semaine prochaine, on va avoir la deuxième lecture. C'est dans 2 semaines que le tournage commence. C'est dans vraiment pas longtemps. J'avais pas pensé à ça. On est vraiment stressés, mais on a hâte. Ouais, c'est un bon stress, c'est un bon stress. Ouais. Que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. À la prochaine! Bye! Bonjour, maintenant on est 2 jours avant le tournage. Donc en ce moment, on est à mon chalet. Puis aujourd'hui, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait? C'est tout l'après-midi, on a vidé le garage où ce que Adela est prisonnière. Puis ça nous a pris vraiment longtemps. On va juste vous montrer un genre... Ça, c'est le chalet, OK? Ça fait vraiment peur. Puis ça, c'est juste la moitié de tout ce qu'on a sorti. C'était rempli, on pouvait même pas marcher. Puis là, maintenant, on a tout décoré ça, puis on est très fiers de qu'est-ce que ça a donné. Voilà la maison d'Adela. On va vous montrer les différentes parties, là, comme ça. Là, après, on a le lit avec la petite carte du monde parce qu'on trouve ça cute. Le lit d'Adela. Ici, dans son coin, on a un foyer. J'ai pas de cheminée, mais ça, on le sait pas. Ici, on a l'étagère avec des photos. Ici, on a d'autres petites étagères. Fait que là, on se dirige vers le coin fausse salle de bain. Ici, on a même mis un petit truc à bois, mais là, on voit pas grand-chose parce qu'il fait sombre. Puis là, ça revient au coin du début. Donc, voici la petite prison de Adela, qui est quand même cute pour une prison. C'est là qu'Adela va être! Aujourd'hui, c'est la deuxième lecture! Adela? Émile! Je suis en danger, Émile. Tu dois m'aider. Tu te demandes probablement de quelle blague il s'agit, mais tu dois me faire confiance, t'es mon seul espoir. Ben oui, un double fond. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Rendez-vous chez nous dans 10 minutes. Je vous explique en chemin. En chemin vers où? Je suis pas temps de vous le dire, je vous attends, bye! C'est la folle. Tu mens. Jésus Marie, ça fait vraiment peur la nuit. Oh my god. Ok, là on l'en prend. Et sur Adela. Vite. La clé est vite. Hier soir à l'église, vous aviez vraiment l'air louche. On aurait dit que vous veniez tuer quelqu'un. Et c'est la fin, tout le monde meurt. Vous venez de voir la partie préparation de la série. Maintenant, on va passer au tournage qui a eu lieu pendant 7 jours durant l'été 2018. Donc, on y va avec le tournage des 3 épisodes. Let's go! Bon, là, on est la première journée de tournage. On est le 25 juin. Ça, c'est la chambre à Émile. Élise va se faire face à Tress. On va la mettre du bonjour parce que moi je vais faire la. Non, non, mais c'est pas du bonjour. Non, mais sinon ils ont enlevé les fantômes. Attends, la fantôme, c'est un. 3, jump! Tu peux changer. C'est sûr que t'as entendu ça? T'as pas entendu la toune? T'es pas la fille de ton père. Même celle de ta mère. La personne.
Émile. Mon vrai nom, c'est Justin. Je suis maquillé et prêt à tourner la série Adela. On va tourner à scène 4 parce que nous autres, on est non-conformistes. Puis les trois premières scènes, on s'en fout. Fait que ça, c'était mon premier vlog. Et, j'attends pour le deuxième. Bisous. Bon, Aurélie, venons mettre un petit peu de musique. Ça tourne en caméra. Ah, bon, ben. Comment ça? Non, 36.4 puis 5. Action. Hey, j'ai quand même parti pour 9h, plein, hein, que. Bon, j'y vais, ça va être le monde. Coupé. C'est bon. Ok, on va le faire. Action. Action! Qu'est-ce que j'aime? Coupé! Prise 4! Ouais, qu'est-ce que j'aime? Coupé! Prise 5! Ah, oh, coupé! Prise 6! Ah, coupé! On a fini de tourner les 5. Fait qu'on a tourné la scène de 4 à 6. Fait que c'est ça. Ok, t'es focusé. C'est bon? Ouais. Alors, c'est mon vlog 2. Après avoir fait le premier hier matin, il est présentement 22h12. Comme quoi, je me suis levé à 6h du matin, puis il est déjà 10h. Non, mais... Salut! Là, elle est fière, là. Y'a pas de frein en plus! Que ça, là! Action! Pieli, apporte ton bat de baseball. Coupé! Je
suis là depuis toute la journée et c'est bien plaisant. Écoutez, à date, là, il y a un gun, il y a des explosions, il y a Michael Bay puis les Tortues Ninja. C'est fou! Incroyable. Vous allez voir. J'ai même vu Mickey Mouse. Je suis qu'est-ce que ça vous fait d'avoir rencontré là? C'est ma gamme à l'aise. Je pense qu'on va aller se coucher. Je suggère qu'on rentre chez nous et qu'on a une bonne nuit de sommeil. C'est ça! Alors bienvenue à mon vlog 3, assisté par les tutos maquillage d'Alexis Moisin. Dans le fond, on est à journée 3, mercredi matin. C'est aujourd'hui qu'on s'en va au chalet. Le chalet qui est à 5 km dans le Tex, mais qui est genre à 45 minutes. 60 km. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, c'est la journée longue, mais on va s'en va au chalet. Je sais que ça va pas de sens. Okay, c'est la scène de l'appel vidéo, fait que là c'est vraiment complexe. On a Justin qui fait ça ici. Après ça, on a Elise dans la salle de bain. Allô. Après ça, en bas, on a Alexis qui fait sa chambre dans un petit Et plus loin, dans la salle de bain, on a Xavier qui fait comme s'il était dans sa chambre à lui. Je fais un vlog. Bon, on a Xavier qui est là, qui fait son affaire. Oh mon dieu. Bon, il fait bientôt l'appel pour vrai, je remonte en haut. Ok, on y va pour une prise. On s'en va pour ma chambre 5 étoiles. Attention. Attention. Mala. Peux-tu avoir ça chez nous? Mais ça, il y a des abeilles à l'intérieur, ok? What the fuck, j'aime pas. Ah, il y a même une place pour faire tes devoirs. Ça va être fun. C'est la prison? C'est pas moi. Oui. Mais c'est pas grave, j'en ai 9 autres. C'est Adela, c'est la seule façon que tu vas pouvoir me sauver. Quoi? On est prêts? Bienvenue au vlog 4! On est au chalet, on se tourne les scènes finales. On est tous bien pétés, on n'a pas beaucoup eu de sommeil. On a eu des bonnes crêpes par exemple. J'espère vraiment que ça va bien aller parce que c'est un petit peu genre une grosse journée avec beaucoup de scènes. On tourne un épisode au complet genre. C'est vrai hein, on tourne un épisode. Ouais, le troisième au complet. C'est ça. Bonjour Monsieur Potter! Bonjour, je suis perchiste, Ryan Meta, et présentement, nous attendons les acteurs qui sont très immatures, qui se balancent dans le bois au lieu d'être positionnés et faire leur scène pour que tout le monde puisse décrisser du bois parce qu'on est tous en train de se faire bouffer par les mouches. Merci. Voici Marie dans son habitat naturel. Elle est présentement en période de rut. Elle est fâchée. Elle va chasser. Elle va chasser la perdrix afin d'avoir un bon repas ce soir. Elle s'avance. C'est une perdrix pour le repas. Ça va mal. Ça va mal. Elle se prépare à attaquer. Une perdrix pour le repas. Je l'ai! Je venais pas! Je venais pas, Justine! C'est une simple action! Bon, on est présentement en train de filmer la scène finale. Adé, la perchiste sur Instagram, pas. And it's a wrap! Mais
Les mouches étaient partout. Pour les acteurs, c'est quasiment fini. Il manque juste moi puis les parents. On a souffert beaucoup avec les mouches. Merci à toi, Patrick. C'est vraiment le fun. Salut. Donc là, on est vendredi. C'est notre 5e journée de tournage. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Un du bug con qui s'est mis en dessous de la petite marche. Crap! Il bouge! Oh my god! Ah! Non! J'ai un nouveau sport olympique. Ça s'appelle le lancer du June Bug. C'est fini. Ok, vas-y. Action! Get the fuck out, Justin. Get the fuck out! Vous allez. On vient de finir les singes dans la maison d'Émile, puis là on s'en va vers le parc des écureuils pour tourner. Puis après ça, la journée est finie. Donc, nous sommes arrivés au sortie des écureuils et Justin veut faire son vlog de la journée 5 de tournage. Allô? Y a des mouches un peu moins qu'au chalet, mais quand même pas mal de mouches. Mais aujourd'hui, le vlog, c'est pas pour du tournage, ça va avoir des mini-maïs. Mini-maïs? Ouais. Je pensais que tu parlais de minimalisme. Non, pas le minimalisme. Oh my god, depuis tantôt, tu penses que tu parles de ça? Attends. On va essayer une photo de minimalisme ici dans la face à Xavier. C'est bien ça. Les minimalistes, c'est. C'est ça l'histoire des minimalistes. De base, c'est dégueu, puis personne n'aime vraiment ça. Ok, on va tourner maintenant. Scène 24.3 prise 2. It's a wrap! It's a wrap! On est fini! Des mouches à pas de sens. Il manque seulement une journée de tournage à Adela qui va être genre dans genre 3 semaines. Fait que. Voilà, à dans 3 semaines! Ça tourne la caméra. Je m'appelle Martin, je suis un expert. J'avais juste une phrase à dire, puis je l'ai repris à peu près 9-10 fois. Là. C'est moi, Julie. Moi, je suis une experte en être mère poule et dire à mon fils qu'est-ce qu'il a mangé. Là, petit manchot, lasagne, pâté chinois, macaroni. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, Sarah? La perche, puis la claque. Alors aujourd'hui, on est 3 semaines plus tard pour mon vlog 6. On vient de filmer genre les 3 premières scènes. Ça a été un long calvaire avec moi qui mange des céréales molles. C'était dur. Puis les parents ont eu de la misère, puis nous autres aussi. Mais j'ai dansé vraiment full out. Fait que c'est ça. On se revoit à la prochaine avant-midi de tournage. Mais moi, on s'en rejoint à l'avant-première. On a fini de tourner la dernière scène. Fait qu'il n'y a plus de tournage pour Adela. C'est fini. Loulou, c'est un rap officiel! Yeah! C'était la partie tournage de la série Adela. Comme vous avez pu voir, on a eu bien du fun à filmer pendant ces 7 jours-là. Même si on était vraiment occupés puis qu'il y avait de la mouche en titi, on a vraiment aimé ça. Selon moi, c'était vraiment une des étapes que tout le monde a préférées du projet parce qu'on a vraiment eu beaucoup de fun toute la gang ensemble. Évidemment, après le tournage est venu le montage. De août à novembre, j'ai passé plusieurs fins de semaine à faire du montage, des heures et des heures de temps. Ça a été très long. En novembre, le montage fut enfin terminé et on a finalement pu passer à l'étape de l'avant-première où tous les acteurs sont venus chez moi et ont regardé la série pour la première fois. Oui! Puis comment ça, j'ai trouvé ça? Moi, pour vrai, je suis vraiment sous le choc. Je trouve que t'as vraiment fait de la belle job. On a travaillé vraiment fort là-dessus. Puis on dirait que je m'attendais pas à ce que ce soit autant beau. Genre, tu sais, comme Alexandre, la preneuse de son, elle a dit. Genre, le fond du temps, on se dit comme, oh, on est des ados. Fait que genre, ça va être boboche là, mais. C'est bon. C'est bon. De moments drôles, de moments émotifs, de moments qui faisaient peur, et avec de la très bonne musique. Bon, on arrive à la première, il y a juste nous autres qui sont comme. Moi j'arrive, là je vais. Là tu sais, moi nous autres, ça a pris du temps à fumer ça, j'arrive, t'es crime, la meilleure série que j'ai écoutée de ma vie.
Donc maintenant, on va passer à la première qui a été un des événements les plus stressants dans le processus de la série Adela parce qu'il a fallu se préparer beaucoup. On était pas mal stressés, moi et Marie-Lou, de montrer la série Adela pour la première fois au public. Mais la première a vraiment bien été, fait que je vous laisse avec quelques clips de la soirée. La première, ça l'a super bien été. Tout le monde qui est venu était outré. Ils étaient sans voix. On était sans mots. C'était une merveilleuse première. Donc c'était le making-of de la série Adela. J'espère que vous avez aimé traverser tout le processus du projet avec nous à travers ce making-of. J'aimerais prendre un petit moment pour remercier toute l'équipe d'Adela qui a vraiment travaillé fort parce que dès le début du projet, on savait pas dans quoi qu'on s'embarquait, on savait pas tout le travail que ça allait prendre, mais l'équipe a vraiment travaillé fort. Ça a vraiment donné un beau résultat qu'on est fiers. Parce que même si c'est une série amateur juste réalisée par des jeunes, ça montre vraiment comme que même si t'es jeune, y a rien qui t'empêche de réaliser tes projets. Alors si tu veux faire un projet, réalise-le, travaille fort, mets des efforts, puis fais-le jusqu'au bout parce que ça vaut vraiment la peine. Pour terminer la vidéo, je sais que plusieurs ont des questions sur la suite des événements pour la série Adela. Le troisième épisode finit sur un mystère, on sait pas qu'est-ce qui se passe, on sait que Emile a retrouvé sa sœur et on a décidé de finir la série comme ça justement pour nous laisser la possibilité de continuer l'histoire de différentes façons. Mais pour le moment, on peut vraiment rien garantir pour la suite des choses d'Adela. C'est sûr que toute l'équipe aimerait vraiment se réembarquer pour une deuxième saison, mais pour le moment je peux pas vous dire oui, je peux pas vous dire non. Si le temps nous le permet, c'est sûr qu'on va essayer de se réembarquer dans une nouvelle saison, mais sinon on est content avec la saison 1 et peut-être que ça va s'arrêter là. Fait que pour l'instant c'est un gros point d'interrogation et c'est ça, je peux pas vous en dire plus vraiment. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi, like et active tes notifications. Et sur ça, je vous dis bye et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Okay!